Yo tout le monde de la France et le monde entier, moi j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bien sûr, moi je vais vous parler de un sujet, la chaîne CNews. Pourquoi CNews est détestable? Premièrement, la chaîne CNews est une chaîne raciste, islamophobe, homophobe, xénophobe, oui bien sûr, transphobe, biphobe, arabophobe, antisémite, néo-nazi, pollueur et surtout misogyne et pédophile. Donc il ne faut jamais regarder CNews. Et puis surtout, il y a un gros violeur de la télévision, Jean-Marc Morandini. Il est toujours à l'antenne et pas sur n'importe quelle chaîne, sur la chaîne CNews. Donc oui, Jean-Marc Morandini est abonné à moi sur Twitter, mais je l'ai retiré de mes abonnés. Ensuite, bien sûr. Ensuite, deuxièmement, CNews est une chaîne absolument détestable, puisque il y a Pascal Praud, le plus gros raciste de France, qui invite régulièrement Éric Zemmour, Yvan Rioufol, Jean Messia, que des racistes sur son plateau. Et puis, bien sûr, ça fait mal au cœur. Puis, troisièmement, il y a plein de polémiques autour de cette chaîne. Vu les nombreuses polémiques autour de la chaîne CNews, et surtout, leurs invités insultent le patron de CNews, Vincent Bolloré. Donc oui, CNews est une très mauvaise chaîne. Il ne faut surtout pas la regarder. Troisièmement, je veux dire quatrièmement, ça fait du bad buzz. Et les auditeurs viennent de plus en plus sur cette chaîne. Donc, cette chaîne est très regardée. Mais par qui? Qui est son public? Donc il y a plus de racistes en France. Mais donc moi, ben, je dis, CNews, faut pas la regarder. Et cinquièmement, Direct Matin, l'ancien journal gratuit tenu par Orange a été racheté par le groupe Bolloré! Et puis, ce journal gratuit est devenu un journal d'extrême droite. Et bien sûr, ensuite, la stratégie médiatique de Bolloré est pas très bonne. N'hésitez pas à liker ma vidéo, partager massivement ma vidéo. Abonnez-vous et surtout commentez. Allez, bon vent!